Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Match 10. Vous avez été très nombreux, mon dieu, très nombreux, puisque la vidéo a fini en top tendance, à me demander la suite de Match 10. Du coup je vais m'exécuter à ça, je vais essayer de finir toutes les endings. Apparemment c'est super long pour les terminer, parce qu'en fait le jeu est un peu répétitif sur certaines choses, donc on va voir ça. Par contre je me souviens plus, alors la Patricia, l'assistante en cabinet dentaire, je m'en souviens très bien, elle m'avait bouffé à la fin. Est-ce que il y en a une qui avait répondu aux commentaires « tu suces » Je sais plus, est-ce qu'il y en a une qui avait répondu à ça? À moins qu'on tente avec toutes de le faire. Et peut-être qu'il y en a une qui répondra oui. Alors écoutez, on va tenter, on va faire avec elle. Et on va tenter, je pense, avec toutes, voir si elles répondent oui ou non. Casse-toi, sale bolos. Bon, Philippine vient de vous bloquer. De toute façon, c'est un nom de merde. Salut! Alors attends, est-ce qu'elle va... Oh! Mais non, mais c'est... Eh, si cette information a été donnée, là, c'est pas pour rien. Je suis sûre que c'est... Il y en a une qui va me répondre oui. C'est obligé, il n'y aurait pas cette information sinon. On va voir, j'en ai rien à foutre, je vais essayer avec tout le monde. Faut essayer. Il suffit d'une fois, c'est comme le loto, il suffit d'une fois et c'est banco. Alors je vais me retape un casse-toi. Voilà, hé. Oh, mais hé, il n'y en a pas une seule, hein. Il n'y en a pas une seule. Et je crois qu'en plus, on a fait le tour des meufs, hein. Elle, on a fait. Bon, elle est immonde. En plus, son visage, tu vois grave qu'elle a été photoshopée, elle. Elle est dégueulasse. Tu sais, le sweat, on dirait le sweat qu'on porte, nous, les filles, quand on caille. Tu sais, on a toujours ce type de sweat-là, quand t'es en hiver, avec des grosses chaussettes. Allez. Peut-être que la serveuse, elle a envie de se faire servir. Oh. Casse-toi, sale beau. J'en peux... Bon, bah, écoutez, on va partir sur un autre filon de drague, hein, parce que j'ai l'impression que notre filon n'est pas le meilleur. Ah, je suis vraiment déçue, je comprends pas. Pourtant, c'est censé marcher. Bon, alors attendez, avec qui on avait débloqué des endings? Elle, elle nous a bouffé. Elle, je m'en souviens, elle nous a bouffé. Alors, elle, tu dégages. C'est avec laquelle qu'on parlait de Joule? Elle, on l'avait pas faite, elle? Ah, je me souviens pas. Bon, écoute, on va tester. Alors, attends. Ta-ta-ta. On va faire un petit hello. Déjà, on va faire un petit truc. Pour voir ce qu'elle va répondre. Un petit truc sympa, tu vois. Ça va. Ok. Donc, bien et toi? Bof, bof, mon cochon d'Inde. Ah oui, le cochon d'Inde est mort. Ok, elle aime. On va chez moi ou chez toi. Envoie une dick pic. Alors, on va essayer le « on va chez moi ou chez toi » pour voir ce qu'elle va répondre. On sait jamais, il peut peut-être y avoir un petit truc stylé. Casse-toi, sale bolos. Bon, là, effectivement, ça ne marche pas. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc c'est pas grave. On va faire un petit retour en arrière. Ok, retour en arrière qui me renvoie directement, en fait, depuis le début de la conversation. Tiens, jeune, tu pourrais faire ça dans la vraie vie. Tu marques à ton patron que tu l'aimes pas, tu mets gros connard et tout machin, et hop, après tu fais un tour en arrière. Bonjour, oui, pas de soucis, là, un dossier arrivera demain à 21h. Attendre qu'elle reparle, ça, on l'avait pas fait, je crois. On va attendre qu'elle reparle, voir si ça marche. Ça se trouve, elle va se tailler. Ça... Ah, elle écrit. Donc on a... Bon alors, qu'est-ce que tu fais sur Match 10? Ok, yes. Je cherche le grand amour, la passion, je veux des enfants et vite. Oh, je suis principalement là pour... aller à Intermarché, faire des courses parce que j'ai plus de mayonnaise. J'essaye de convertir un maximum d'hérétiques et tu fais... Oh, j'ai craqué mon pouce, je sais pas si vous avez entendu le bruit. J'essaye de convertir un maximum d'hérétiques et... Ok, bon, je t'explique, j'ai mis au point une technique quasi... Ah non, mais... Oh, c'est le coup des questions. Aidez-moi, j'avais oublié ça. On va mettre le coup des hérétiques avec Jésus, là. D'ailleurs, en parlant des hérétiques, vous avez été nombreux, dis donc, pendant le live Outlast sur Twitch. Franchement, c'était top. J'ai mis l'ardif pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Elle était vraiment, vraiment cool. Alors, je bluffais totalement. Je suis là pour rencontrer des personnes de sexe féminin. Le royaume de Dieu t'ouvre ses portes si tu m'envoies. Oh là là. Vaut une photo de soi déguisant Jésus en train de sucer un crucifix. On va faire le coup, je peux t'en dire plus autour d'un verre de vin de messe. Mais je crois que je l'avais déjà marqué, ce truc là. Je crois que je l'avais déjà fait. On va voir ce qu'elle va me marquer. Cool, bon, je t'explique. Elle en a rien à foutre. Ok, bon. Phrase est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure phrase du jeu. J'adore cette phrase, quoi. Alors, mais non, c'est extrêmement grave, pauvre conne. Ok, donc le, je t'apprendrai si t'es ok, ça je crois qu'on l'avait fait. Mais non, je suis daltonien, je sais pas y jouer non plus. Mais non, MD, alors attends. On va faire, je suis daltonien, je sais pas y jouer non plus. On va voir ce qu'elle va me répondre. Soit elle va me faire, mais pourquoi tu m'as dit ça alors? Bam, bloqué. Quelle horreur, je déteste les handicapés. Oh, Camille vous a bloqué, quelle horrible. Mais c'est une connasse. Mais c'est une connasse. Écoutez, moi j'ai pas envie de tester avec elle, j'ai envie de tester celle qui me fait flipper là. Attends, comment elle s'appelle, celle qui me fait flipper? Elle est où? Là, Louise, 22 ans.
Je sais pas pourquoi elle me fait flipper, elle. Mais là, c'est obligé qu'elle nous coince. Si elle envoie vraiment une photo, la meuf, elle est aussi barge que moi, quoi. Bien sûr. Non, elle va me bloquer, c'est obligé. Louise vient de vous bloquer, vous attendez la photo de ses orteils pendant 2 heures avant d'aller vous branler dans une chaussette en pleurant. Faites un point sur votre vie, c'est urgent. C'est dégueulasse. Bah, écoutez, attendez, moi, j'y retourne avec elle. On n'a pas fini. On a un filon avec elle. Donc, on va parler, du coup, de... Voilà. De notre Seigneur Jésus. Donc on part sur un délire à Outlast, hein, parce que le mec qui t'envoie un message comme ça, sois sûr que c'est un gars dans Outlast, hein. Un mec pas net net. Ok, je veux dire, je bluffais totalement, voir ce qu'elle va dire. Cool, bon, ah, ok, elle en a... En fait, peu importe le truc que tu dis, elle en a rien à foutre, la meuf, hein. Ah oui, d'ailleurs, la fois dernière, parce que n'oublie pas, je lis tous vos commentaires, vous m'avez dit, Kiki, Psycho, c'est un film d'horreur, hein. Oui, non mais je sais, mais en fait, je ne l'ai jamais vu. Et moi, quand je parlais de films d'horreur, je parlais, vous voyez, j'aurais voulu tout un chapitre entier fait que de films d'horreur. On va mettre des comédies pour voir... Oh, attends. On l'avait pas fait le coup de Kev. Peut-être qu'il va y avoir une ending par rapport à lui, justement. Alors, attends. Louis s'est enfui en courant. Bon. Ah, écoute, on va refaire un retour en arrière. Ah. Attendez, je vais essayer Mimimati. Des classiques. Voilà. Peut-être qu'elle aime bien Mimimati, hein. On sait jamais, hein. Louis s'est enfui en courant. Oh, mais... Ok, donc à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux mauvaises réponses. On va mettre l'avenir dans des entrailles de poulet. Ouais, mais attends. Parce que Jules, ça avait marché. Classique de BD, ça marche. Donc je pense que le coup des intellos et l'avenir dans les entrailles de poulet, ça ne marche pas. On va tester, mais je pense que je vais me faire recaler automatiquement avec le coup des entrailles de poulet. Oh, on est sur la bonne voie, j'ai oublié de te demander ce que tu avais fait comme étude. Oh, l'autre, attends, la kiffé. J'ai passé mes 15 premières années dans une cave, c'est papy qui me faisait l'école. Je crois pas que le cursus fasse la personne. Ok, donc ça c'est pour dire que t'as pas été à l'école. Non, on avait fait, j'ai eu le brevet, le bac et je suis même allé un peu à la fac. On va faire, j'ai passé mes 15 premières années dans une cave, c'est papy qui me faisait l'école. On va voir. Parce qu'on peut très bien ne pas avoir d'argent et voilà, on pouvait pas aller à l'école. Mais c'est horrible, tu plaisantes, hein? Oh, attendez, nouvel ending je pense là. Ah ah oui, je suis allé à la fac, rien de bien fou. Ah ah oui, ça n'a duré que 10 ans. Celle-là est excellente. Ah oui, avec mon frère, on a étranglé papy et on s'est enfui. Depuis, je vis dans la peur. Ah ah non, dans ma tête, je suis toujours coincée dans cette cave. J'y serai toute ma vie. Ok, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait? On fait, on a étranglé papy? Ou on fait, ça n'a duré que 10 ans? Ok, non, on va mettre, ça n'a duré que 10 ans. Je suis sûre qu'il y a moyen de débloquer un truc, là. Ah ah, je reviens, je vais manger. D'ailleurs, c'est... L'autre, elle en a rien à foutre. J'ai vécu dans une cave enfermée. Et l'autre, elle est en mode, non, mais j'en ai rien à foutre de ta vie. Bon, plat préféré. Ça dépend, j'adore cuisiner, donc je vais te dire un de mes petits plats faits avec amour. Alors, j'hésite entre les moules, si tu vois ce que je veux dire, et perso, c'est cordon bleu, frites surgelées, parce que... Ah, j'hésite, hein. Écoutez, on va faire le coup des moules, même si pour moi, c'est la réponse la plus dangereuse, hein. Clairement. Alors, attends. Tu vois ou pas? Ah ah! Très fin! Et moi, j'adore les bananes! Tu l'as? Oh putain! Oh, attendez, attendez! Ok, ok, j'ai compris, j'arrête les blagues graveleuses. Ok, tu suces des... lisez, je ne lirai pas. Non, je crois, ouais. Attention, j'envoie! On envoie! Elle a marqué, tu l'as! C'était marrant, mais vous êtes allé un peu trop loin? Louise, mais c'est elle qui m'a demandé! On était sur un truc, là! Ok, ok, j'ai compris, j'arrête les blagues graveleuses. Alors, attention. Tu es l'homme parfait, ma parole. Et si je te dis que je suis vegan, allergique au gluten et intolérante au lactose? On va dire... Normalement, celui-là, elle va me keblo direct. Ah ah, t'as des animaux de compagnie? Elle en a rien à foutre? Ok, je vais lui parler du coup de mon cochon d'Inde qui est mort. Comme ça, il n'y a pas de team chien, team chat. De toute façon, moi, je suis team chien, mais bon. Quoi? Louise vous a bloqué car vous êtes une petite chouineuse et toi, t'en es pas une. Donc, le cochon d'Inde, ça sert à rien. On va faire... On élève des trucs, tonton, pour voir. Techniquement, il n'y a que le chat ou chien qui fonctionne. Mais on sait jamais. Ah ah, j'ai hâte de te rencontrer. Oh, de rencontrer ta famille? Non, mais attends, elle a un pet au casque, la meuf. Je collectionne mes ongles de pied, mais attention, seulement les miens, je te montrerai si tu veux. Je collectionne les mégots de cigarettes, j'en ai plus de 3000, je te montrerai si tu veux. Je collectionne les désillusions et les coups de blues, mais t'inquiète pas, ma collection d'alcool fort et d'antidépresseurs m'aide à tenir. Je collectionne des vinyles, pas très original, mais je trouve ça cool. Bon, les vinyles, je crois qu'on l'avait déjà fait, donc on le fait pas. Les désillusions, c'est pas con. Ok, attends, on va mettre celle-là. Mais là, je pense qu'elle va nous envoyer chier. Hein.
Je pense qu'elle va nous bloquer direct. Tu devrais peut-être consulter quelqu'un, non? Oh là là, attendez, on avance. On a des trucs qu'on n'avait pas. Oui, t'as raison, je vais faire ça. Le sorcier du village me fait souvent des saignées contre la grande tristesse. Pas besoin de parler, c'est pour les faibles et les joueurs de badminton. Tu veux pas plutôt... On va faire un tennis. Alors, le sorcier du village... Ok, on va partir sur le sorcier du village. Peut-être qu'elle va kiffer le truc. Parce qu'elle a l'air d'être un peu perchée, la meuf. Je suis pas bien à l'aise avec tes histoires de village. Louise vous a bloqué. Oh! Mais c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, je vais marquer... Ouais, t'as raison. Parce que je crois que la dernière, on l'avait déjà faite. Et on s'était envoyé... On nous avait envoyé chier. Alors, et en dehors, chez toi, tu fais quoi? Oh, j'en peux plus. On va parler de la voiture. Pour voir. Si elle en a quelque chose à foutre ou pas. Ou si elle va me bloquer direct et qu'elle va me dire qu'elle aime pas les Jackie Tuning. J'adore les 205, t'as fait quoi comme modif? Oh, merde, on est dans la merde, attendez. Ça y est, on part sur une nouvelle ending. Mais là, on est vraiment... Oh là 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 là, attends. Jante, alu. Ok, oh là là. On va pas parler du sapin ni de la foule, on va mettre les jantes. Mais c'est un peu triste ça, t'es jamais parti en vacances? Oh, on repart sur un nouveau truc. Mais si, je plaisantais, j'adore voyager, je regarde Thalassa d'ailleurs. Mais si, je plaisantais, j'adore voyager, je suis allée au Mans une fois. Mais si, j'adore voyager d'ailleurs, j'adore Désirless. Envoie une dick pic avec un petit sombrero sur le gland. Et en légende, bon baiser de mon caleçon. Mais n'importe quoi. On part sur des conneries. Ah écoutez, on envoie celle-là. Ah, ils auraient pu mettre quelque chose. Oh non. Ah, Louise arrive, mais elle vous a quand même bloqué sûrement à cause des petits boutons rouges. Suspicieux, à votre place, on irait montrer ça à un médecin spécialisé et vite. Ah, c'est dégueulasse. On va faire le coup de Thalassa. On va voir ce qu'elle va répondre suite à ça. Bim. C'est la télé, c'est bon, tu voyages un petit peu. Attends. Mais c'est... Oh, mais c'est parfait, c'est un vrai baroudeur. Tiens d'ailleurs, question piège, décris-moi le drapeau. Quoi? On va aller sur internet là parce que il faut s'informer les copains. Moi je ne sais pas. Alors attendez. On va taper drapeau. Et là, mon... Voilà, je l'ai, je l'ai. Attention, j'ai le drapeau. Attends, ils ont marqué avec une bêche. Ah si, à quelque... Bah si, c'est celui-là. Noir, jaune, vert, blanc, rouge. Ah bah oui, c'est celui-là. Je l'ai, hein, je vous mets l'image. C'est celui-ci. Parfait, on continue un peu les questions. Mais non, c'est bon. Pas de soucis, ça me plaît ce petit jeu. Oh là là. Vas-y, on va faire ça me plaît ce petit jeu. On peut débloquer peut-être un truc de fou à la fin. Pas la lâcher là les mecs, on a répondu à 46 questions, c'est pas le moment. Ok, alors attention, tu votes pour qui généralement? Oh, ok, on va parler d'autre chose. Ils ont commencé à foutre des questions politiques, c'est mauvais ça, c'est mauvais. Oui, je viens d'une famille de chasseurs, j'adore ça, tu chasses toi? Seulement les petits culs. Non, mais je respecte, je vois ça comme une communion entre la nature et nos instincts primitifs. Je trouve que c'est un truc de gros con, pire que les routiers. Je vais te faire courir dans un bois en te poursuivant avec un fusil, on va voir si t'adores ça, pauvre con. Ah mais ça, je suis totalement d'accord avec l'ending de cette l'ending de ces quatre questions. La dernière est excellente. Je vais marquer seulement les petits culs pour voir ce qu'elle va nous mettre. Louise n'est pas MDR et vous a bloqué, la chasse c'est important pour elle. Donc elle fait partie de ces saloperies qui chassent. Voilà. On va mettre ça, comme ça on est sûr qu'elle va nous bloquer. Là c'est obligé, elle nous bloque. On peut ne pas aimer la chasse sans pour autant insulter ceux qui la pratiquent et les menacer. Louise vous a bloqué et est allée éventrer un bébé renard pour se consoler. Mais complètement malade. Eh mais elle va m'éventrer. Hein. Eh non mais moi je vous le dis direct. Alors retenez ce que je viens de dire. Elle à la fin, je sens qu'on va débloquer une énigme où elle va m'éventrer. Elle va me démonter le gosier. On va mettre ça. Et là elle va marquer, ça se trouve mon père est un routier, je t'emmerde. Ça se trouve. Mon père est routier et chasseur, sale connard. Voilà, Louise vous a bloqué, ça risque d'être compliqué pour la pécho aujourd'hui. Oh, écoutez, on est bien. J'étais sûre qu'ils allaient me marquer ça. Donc là, on va marquer non, mais je respecte ça, tu vois, la communion avec la nature. Non, c'est dégueulasse, t'es en train de buter des animaux. Ok, je comprends, blablabla. Donc l'aubergine... Non, on repart sur l'aubergine parce qu'on va mettre le coup de l'enfant du soleil. Non, parce que j'adore jardiner, on va mettre... Bien dit, je crois que je ne t'ai pas demandé quel est ton principal défaut. Eh, j'en peux plus. Je suis un peu radin, je suis un peu raciste, je suis un peu rapide, je suis un peu rabat-joie. On va mettre rabat-joie.
Parce que le reste, voilà quoi. C'est-à-dire... Oh, mais j'en peux plus, c'est pire qu'un CV, c'est pire qu'un entretien d'embauche. J'ai tendance à avoir le verre plutôt vide que plein. Je prendrai chaque moment de joie dans ta vie pour les écraser sous mon talon dépressif, c'est clair. Je râle beaucoup sûrement parce qu'il manque quelqu'un dans ma vie. Je suis le Grinch, la joie me fait mal physiquement. Alors... Ok, on va mettre je râle beaucoup sûrement parce qu'il me manque quelqu'un dans ma vie. Ok, on va mettre je suis gentille. Ok. Là, on repart sur un truc un petit peu plus correct. Je crois que c'est parce que j'en peux plus de me faire règle depuis tout à l'heure. Ok, tu fumes. Non, enfin seulement ma e-clope parfum violette papaye, j'adore vapoter. Non, enfin seulement des blondes en soirée. Non, enfin seulement des joints en soirée. Non, enfin seulement du crack sur les quais du métro de temps en temps. Ok, on va mettre seulement des blondes en soirée. Ça se trouve, elle va rien biter. L'autre, elle va faire hey, tu t'attaques des meufs. Ok, c'est quoi ton style vestimentaire? Oh, j'en peux plus. Jeans slim. Un petit t-shirt oversize. Voilà, ça c'est bien, ça. Ça donne un. Oh non, mais non, seulement un portrait de mon ex sur le torse, seulement un portrait d'Aladin Juppé sur tout le dos, faudra m'enlever mon t-shirt pour le savoir. Ok, alors attends, ok, on part sur un petit truc là. On a dit le t-shirt, on n'a pas dit le slip, donc commence pas à faire ta gourdasse hein, si c'est ça. Ah ah, tout doux, c'est quoi pour toi le pire tue l'amour? C'est beau, bon, passons aux choses sérieuses, on peut parler de cul un peu. Oh ça y est, après 55 minutes de vidéo, ça y est. Je suis pas très à l'aise avec ça, je n'ai pas eu de contact humain depuis 2002, le plaisir charnel est un péché, sale hérétique. Ah ah oui, pas de soucis. Ok, on part sur un délire. Eh, la Louise, elle est chaude comme la braise. Vous voyez, elle fait ça... Ok, t'es plutôt quel genre? Au pieu. Il y a des bruits vraiment chelous, les mecs. Chez moi, je vous jure, à chaque fois que je suis en vidéo, il y a des bruits bizarres. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on fait comme personnage? Je sais pas. J'aime mettre un peu de jazz, les pétales de rose, le lance-flamme, la basse, quoi. Je pleure énormément, je tremble beaucoup et je hurle « Maman !» quand je jouis. Un parfait alliage de force et de douceur, toujours à l'écoute, bien entendu. Si tu n'as pas... problème avec les bruits d'animaux et que mon tonton nous regarde, tout se passera bien. Le parfait alliage de force et de douceur. Bah voilà. Ça se trouve, c'est une grosse folasse. Hein. Ça se trouve, ça va nous recte direct parce que c'était trop doux pour elle. On essaye de partir en douceur. C'est bon. Et un point de plus pour toi. Bon, on reviendra au cul plus tard. Oh non! Si tu devais choisir un moyen de transport, tu serais quoi? Mais non! Ah ah, bon. Et si je demande combien d'enfants tu voudrais? 12 minimum, j'aurais besoin de main d'œuvre pour la mine de charbon. Aucun, la planète est à bout. Et nous en sommes des parasites. Deux ou trois, histoire d'avoir un peu d'ambiance. Perso, je préfère l'adoption. On s'attache moins en cas d'accident. Oh, c'est immonde. Elle est dégueulasse, cette phrase. Putain. Les mecs, ils ont des punchlines. Ils ont dû s'éclater pour faire le jeu, sans déconner. Comme moi, des idées de prénoms déjà? Voilà, on va faire ça. Je me plaisante jamais avec ma descendance. On va voir. Quoi? Mais, mais pourquoi elle fait que me keblo là? Arrête hein! Oh là là! Donc ouais, pourquoi pas un cyborg? Ça c'est stylé ça dans 20 ans, mais bon. Dans 20 ans, je pense pas qu'on pourra être des cyborgs. On va voir ce qu'elle va nous répondre. Ah, je comprends tout à fait. Bon, je vais à la boulangerie, je te prends un truc. Je veux bien un pain au chocolat, je veux bien... Ah non, arrêtez que chocolatine hein. Moi je dis pain au chocolat, je veux bien deux grosses miches et pas celle de la boulangère, je veux bien du pain sans sel. Un pain au chocolat. Et tu vas voir, je suis sûre qu'elle va me dire on dit chocolatine, elle me bloque direct. Je suis sûre. Ah ok, ça marche, je reviens dans 5 minutes. Ok, fais vite, tu me manques déjà. Bisous, bye, envoie une dick pic. Ok, fais-moi signe quand tu reviens. Ne pas répondre, on va faire ne pas répondre. Pour voir si elle me répond. Ah, par contre, c'était des salauds s'ils avaient vraiment fait 5 minutes. On n'aurait pas... Ah, yes. Ça fait 10 minutes que t'es parti, tu m'as pris pour un pigeon ou quoi, la chatte à ta daronne? Pendant ton absence, j'ai fait le point sur ma vie. J'ai repensé à mon ex. J'ai déjà parlé de mon ex? Tu m'as tellement manqué, ne refais jamais ça, s'il te plaît. JPP d'être seul. Donc on va faire un petit re. Dis, je me demandais, c'est hyper important pour moi. Tu mets quoi comme parfum? Non mais j'en peux plus, bientôt elle va me demander la marque de mes slips. On n'a pas fini. Un truc très ambré, musqué, à base de sperme de cerf. Un truc très sportif, frais à base de spray pour chiottes. Un truc très floral, printanier à base de crottin de cheval. Rien, je laisse parler mes phéromones. Plus je sens fort, plus on me respecte. Donc, on va mettre à base de sperme de cerf. Voir ce qu'elle va répondre. Oh là là, on est à plus d'une heure de vidéo ce jeu. Mais vous rendez compte? Bon, faudra peut-être qu'on reparle de tout ça. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? J'en peux plus, moi. Pas mal, mais je suis plutôt martini pour ma part. Si t'aimes pas la bière, tu peux me bloquer immédiatement. C'est un des piliers d'une relation pour moi. Tant mieux, on va s'enrichir mutuellement. On va faire ça.
Ah ok, dis, tu sais faire des tours de magie? Quand je me concentre fort, les filles tombent amoureuses de moi immédiatement. Oui, une fois, j'ai fait disparaître mon ex. T'avises jamais de me tromper avec mon meilleur pote, c'est clair? Oui, pour ça j'aurais besoin d'un lapin, d'un grand chapeau et d'une photo de tes seins. Oui, et j'ai une belle baguette magique. Envoyez une dick pic. Donc, on va mettre le coup de tombe amoureuse de moi immédiatement. Bien tenté, haha, mais non, en parlant de magie, tu crois en Dieu? J'en peux plus, moi. Au début, j'étais partie sur un délire de secte, hein. On a fini sur un système. Je crois aux dieux anciens, à Thor, Loki et Odin. Leur dieu unique n'est que supercherie. Oui, d'ailleurs, je crois en tout ce que dit la Bible, l'évolution, la capote et la musique rock doivent être exterminés. Pas du tout, en revanche, je crois en Beyoncé, c'est pas si éloigné. Dans mon village, on vénère le grand bouc empaillé et on égorge le nouveau-né pour qu'il bénisse les récoltes. On va mettre, je crois, aux dieux Loki, Odin, Thor. Voilà. Ça me plaît, je vais peut-être me convertir, tiens. Je commence à bien te cerner. Ouais, ok, mais c'est quand qu'on baisse? J'ai un peu l'impression d'être face à un agent du FBI. Ça m'excite énormément. Tu me cerneras jamais, c'est clair. La pute qui me cernera, elle n'est pas née, ok? Ça veut dire quoi, cerner? On continue, alors. J'ai marqué... On va mettre ça. Voir si elle part dans un délire ou pas. Ah, bon, ça va, alors. Ça te dit qu'on se rencontre? Ça y est. C'est mort, tu m'as trop saoulé, casse-toi. Eh ben, pas trop tôt, je rapporte les capotes, bouge pas. Avec plaisir, 20h30, station, machin. D'accord, je demande à ma mère si j'ai le droit. Ok, on met à la station, on fait un petit rendez-vous. Vous décrochez un rendez-vous avec Louise. Le courant passe plutôt bien. Sans plus, vous voyez, à plusieurs reprises. Attendez! Et vous sortez ensemble pendant quelques mois. Un soir, vous trouvez un message de votre meilleure amie. Qu'elle se tape depuis quelques semaines. Et quand vous la confrontez, elle vous largue salement. Vous n'avez pas été invité à leur mariage. Cornu, vous n'auriez pas dû la présenter à votre meilleur pote. J'en reviens pas. J'ai fait 1h35 de vidéo à essayer tous les trucs possibles. 1h35, vous vous rendez compte? Pour débloquer cocu. J'étais cocu. Cocu, envoie cocu aussi, machin. En gros, l'autre, elle m'a cocu. Ok, je me suis fait chier pendant 1h30 avec cette grosse gourdasse pour qu'au final on se revoie. Elle sort avec mon meilleur pote. J'ai même pas été invité au mariage, même pas à l'apéro. Ok, gourdasse. Bon bah j'ai compris, c'est bon hein. Ok, j'ai compris, c'est bon, elle m'a dégoûté. Donc du coup, attends, j'espère vraiment que cette vidéo sur MatchD vous aura plu. Moi ça m'a bien fait rire, c'est super long pour débloquer une ending, dis donc, on n'a pas fini. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une suite. J'ai essayé de monter un petit peu plus cette vidéo parce que vous avez été... Je lis vos commentaires, du coup ça m'aide à avancer. Vous avez été nombreux à me dire, Kiki, tu devrais peut-être couper certains passages pour dynamiser un peu le truc et tout, mettre de la musique en fond, c'est ce que j'ai fait, j'espère en attendant vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Connasse.